Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que tout le monde est en forme malgré ces temps difficiles. Notre sport de hockey nous est enlevé. Alors, j'espère que tout le monde réussit à vivre ce confinement-là de bonne façon. Il n'y a pas juste des points négatifs là-dedans, il y a aussi des points positifs. Il y a des entraîneurs qui se remettent en forme. Ça permet de courir, de se remettre en forme un petit peu. Je salue mon assistant coach, Jean-Christophe Poulin, qui me disait ce matin qu'il a perdu une dizaine de livres. Alors, félicitations, mon JC. Aujourd'hui, je voulais vous parler de culture d'équipe et puis de leadership. En fait, on pourrait parler de ça pendant une journée de temps facilement. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est plutôt vous parler de mon expérience des 5 dernières années avec le Phoenix, comment on a monté notre culture d'équipe et puis comment on monte notre groupe de leaders dans notre équipe. Petite histoire courte sur mon cheminement, j'ai joué 17 ans professionnel en Europe, en Allemagne, en Suisse surtout. Et puis en 2012, Jules Vallée m'a donné la chance de faire partie du groupe d'entraîneurs la première année du Phoenix. Alors, on est parti ensemble dans cette aventure-là. Et puis, en 2015, ce qui devait être trois games en attente d'un autre entraîneur, ça fait maintenant pratiquement 5 ans que je suis entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke. Alors, c'est une aventure qui est très satisfaisante et puis qui a beaucoup de défis, mais j'apprécie vraiment à chaque moment d'être entraîneur-chef au niveau junior. Alors, quand j'ai commencé en 2015 avec notre équipe, c'est sûr qu'on avait un changement d'entraîneur, ça n'a pas été facile, la saison ne s'est pas terminée comme qu'on voulait, et puis en 2016, on a décidé de faire des changements. De revenir un petit peu à la base et puis rebâtir notre équipe. Et puis, c'était un cheminement extrêmement difficile. J'avoue que des fois, il y a des défis qu'on ne s'attend pas. Et puis, comme entraîneur-chef, je pense qu'il y a souvent beaucoup de pression pour mettre une bonne équipe en place. Et puis, ce que j'ai fait tranquillement, c'est qu'on a essayé vraiment de bâtir une équipe qui était si serrée. Et puis, je pense que les résultats sont excellents. Quand vous commencez votre saison, on regarde toutes les équipes. Toutes les équipes vont toutes vous le dire à toutes les années. Nous, on va avoir une bonne culture d'équipe. On va avoir une bonne éthique de travail. On veut avoir une bonne attitude. Je pense que toutes les équipes, le mot d'ordre en début de saison, c'est toujours la même chose. Et puis, je pense que ce qui est important dans une culture d'équipe, c'est vraiment la constance. La constance d'un entraîneur-chef ou d'une organisation, c'est de maintenir le cap, qu'est-ce qu'on veut faire en tant qu'équipe. Et puis, c'est sûrement la chose la plus compliquée, la plus difficile à faire, du début jusqu'à la fin, c'est d'être constant dans nos valeurs, dans notre identité d'équipe. Et puis, ça, c'est une chose que j'ai appris avec les années, c'est vraiment d'être tous les jours, de vraiment renforcer notre identité d'équipe et notre culture d'équipe. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous parler, pour construire une culture d'équipe, mon expérience à moi, c'est de prendre son temps. C'est justement de prendre le temps en ce moment qu'on a disponible pour aller chercher plein d'informations, chercher une identité à notre équipe. C'est vraiment important. Ça peut se faire à court terme, à long terme. Avoir un plan, très important. On ne part pas les mains vides, on veut vraiment avoir quelque chose de structuré. Et puis choisir les bons mots, on va en venir un petit peu plus tard. Je pense qu'il y a des millions de slogans qui existent, mais en même temps, il faut trouver juste le milieu là-dedans. Et puis la façon de fonctionner n'est pas toujours la même de chaque équipe, mais je pense qu'il faut avant tout trouver les bons mots pour avancer là-dedans. Prendre son temps. Je pense que si vous êtes nouveau comme entraîneur-chef ou vous avez une nouvelle équipe, vous avez des nouveaux joueurs dans votre équipe, c'est sûr que la dynamique est différente quand on est junior ou hockey mineur, mais je pense que le fait de se regarder un petit peu notre identité personnelle comme coach, quand on regarde dans le miroir puis on regarde est-ce que moi j'ai une bonne éthique de travail,
Est-ce que moi, pour moi, c'est important d'avoir une bonne attitude? Est-ce que la discipline est importante? Est-ce que la nutrition est importante? Est-ce que l'entraînement physique, c'est important? Alors, avant de mettre des choses sur papier, comme identifié comme coach en chef, je pense vraiment qu'il faut s'identifier. Et puis, ça ne sert à rien de mettre, si vous êtes régulier, sur dire, moi, là, c'est important d'être à l'heure, puis vous n'arrivez jamais à l'heure, je pense que c'est le mauvais message que vous envoyez à vos joueurs. C'est vraiment important que ce que vous allez mettre comme culture d'équipe, comme identité, il faut vraiment que ça reflète l'entraîneur-chef et l'organisation. Je parle de prendre son temps, c'est pendant un été, avant de commencer la saison, je pense que c'est le temps de regarder alentour de vous autres, de chercher des nouvelles idées. On n'est plus des années 80-90 où tout le monde était dans une bulle et ne voulait pas divulguer aucune information. Je pense que c'est vraiment important d'aller voir les autres équipes ce qu'ils font. D'aller voir d'autres sports. Moi, je vois souvent sur YouTube regarder les clips de la NFL. Je pense que c'est vraiment impressionnant d'avoir autant de joueurs puis implanter des cultures d'équipe. Je pense qu'il y a des choses à aller chercher là. Dans votre entourage, il y a peut-être des coachs qui coachent au soccer, qui coachent au baseball, des équipes qui ont un bon niveau, puis peut-être leur demander comment ils ont fait leur culture d'équipe, qu'est-ce qu'ils font pour avoir un bon esprit d'équipe. Alors ça, c'est bien important. Le réseautage, les entreprises, si vous êtes au hockey mineur, peut-être vous pouvez vous servir de votre entreprise. Si vous avez beaucoup d'employés, comment que vos boss font pour avoir une bonne culture dans l'entreprise? Je pense que c'est beaucoup plus difficile dans l'entreprise d'avoir une bonne culture. Alors quand il y a du monde qui ont des employés qui sont là depuis longtemps, ils doivent faire des bonnes choses. Alors des fois, on peut prendre des choses de ce côté-là. Clinique d'hockey, j'en fais au moins 3-4 par année. Il y a plein de choses que vous allez chercher dans ces cliniques-là, que ce soit Hockey Québec, Hockey Canada, ou il y en a plusieurs à Toronto. Alors, si vous voulez vous déplacer, c'est vraiment intéressant. Puis le réseautage dans ces cliniques-là, je pense que c'est ça qui est plus important que d'autres choses. Puis soyez ouverts à demander des questions à d'autres entraîneurs. Moi, j'appelle souvent des coachs que je connais, j'ai joué avec eux autres, coachs aux États-Unis, dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale, dans USHL, tous des niveaux différents. Je pense que prendre des idées d'ailleurs, après ça, on peut se mettre un petit peu où on veut s'en aller dans la saison. L'identité d'équipe, quand on part, que ce soit une organisation d'hockey mineur, une organisation scolaire junior, il y a une organisation en haut de tout ça. Puis ça, c'est la première étape chez nous à Sherbrooke. Nos propriétaires, ils ont une grande valeur pour l'école. C'est vraiment, vraiment important. Alors ça, il faut que je l'intègre dans notre culture d'équipe. Ils aiment les personnes qui sont droites, qui sont des bonnes personnes. Alors ça aussi, c'est important. Notre attitude, elle doit être excellente. Alors l'organisation vous met des standards au départ. Alors ça, il faut les garder. Comme entraîneur, ça devient plus concret. Alors, encore une fois, on vient dans notre culture d'équipe. Comme entraîneur, moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux amener à l'équipe? Et puis là, c'est vraiment important qu'on choisisse les bons mots pour que notre identité d'équipe, que ce soit l'éthique de travail, l'attitude, la discipline, le caractère, tout ce que vous voulez amener, vous, comme identité, c'est important que vous le mettiez et que ce soit vraiment concret. Du côté des joueurs, depuis 2-3 ans, on rencontre souvent notre groupe de leaders, puis on leur demande c'est quoi vous voulez comme identité d'équipe. Puis je leur fais souvent un exercice en début d'année. On prend une feuille, puis je vais demander à tous les joueurs, tout le monde ensemble, les coachs ne sont pas là, de mettre ce qu'ils veulent avoir comme identité d'équipe. Et puis ils mettent 5 points sur une feuille, une grande feuille, et puis cette feuille-là, je la garde. Puis pendant l'année, au début de l'année, on la met pendant une semaine ou deux, après ça, on l'enlève. Et puis des fois, quand ça va moins bien ou on sent que notre identité d'équipe s'en va un petit peu ailleurs, bon, on met cette feuille-là, ça rappelle aux joueurs que c'est eux-mêmes qui ont décidé des choses importantes qui étaient bonnes pour notre identité d'équipe. Le plan, c'est sûr que quand j'ai commencé comme entraîneur-chef, bon, la demi-saison, on n'a pas vraiment eu le temps de mettre des choses en place. En 2016,
j'ai complètement regardé sur un autre départ. Et puis, j'avais un plan à long terme de 2 ans pour chercher comment on allait arranger nos choses pour que notre identité d'équipe soit repartir à zéro et puis elle soit solide. Et puis, encore une fois, je me suis vraiment identifié comme je suis comme personne, puis qu'est-ce que je voulais amener comme valeur. Et puis, pour moi, j'ai toujours été comme joueur, un gars qui travaillait très fort, qui avait une bonne attitude, la discipline c'était important, hors glace, l'entraînement, et puis j'étais un gars de caractère. Alors, j'ai voulu amener ça dans mon plan à long terme, que j'ai voulu qu'on soit implanté pendant plusieurs années de ce côté-là. Alors ça, c'était ma base de départ. À court terme, là, on parle de changement qui peut arriver dans des facteurs à court terme. Je pense qu'on peut garder notre base. J'ai gardé ma base d'attitude, de commitment, de discipline, de caractère. Et puis après ça, à court terme, il peut arriver des choses qu'on perde nos leaders. Ou des changements d'entraîneur comme assistant coach. J'ai eu 3 fois des changements d'entraîneur. Il y a des changements des fois que la dynamique va changer. Alors, il faut s'adapter de ce côté-là. Le plan annuel, comme j'ai dit tantôt, à chaque été, je brasse des idées, je rencontre mes assistants coach régulièrement. L'histoire de cette année, c'est que pendant l'été, je savais qu'on allait avoir une bonne équipe. Je savais qu'on avait des gars talentueux. Je savais qu'on allait gagner des matchs. Maintenant, je voulais arriver avec un mot, une phrase, quelque chose qu'on pouvait garder toute l'année. Et puis, j'ai jonglé du mois de mai jusqu'au mois d'août avec plusieurs personnes. Et puis, je suis arrivé avec le mot humble. Et puis, en début d'année. Et puis, c'est un ancien entraîneur que j'avais joué pour lui en Allemagne. Pour discuter avec lui pendant une clinique pendant l'été, puis il dit je lui demandais, j'ai une bonne équipe. Il dit, t'en rappelles-tu? Il dit, quand tu jouais avec nous, il dit, c'était le contraire. On avait une équipe de bas de classement, mais on avait fini dans les 4 premiers. Et puis, il dit, on avait vraiment le mot humble dans notre organisation, puis ça m'a flashé. Puis, j'ai amené ça à notre équipe cette année. Et puis, on disait souvent, l'humilité précède la gloire. Et puis, ça, c'est quelque chose qu'on a. Nu le jour 1 au camp d'entraînement, on a dit qu'on voulait être 1 et puis qu'à chaque jour on allait faire un reset puis avoir une meilleure journée le lendemain puis garder notre cap. Et puis je pense que les joueurs ont fait un bon travail là-dessus. Un plan mensuel, ça c'est des choses qu'avec les coachs dans le bureau, je parle régulièrement et puis différents points dans l'année. Au début du camp d'entraînement, c'est la période la plus facile pour un coach. Je pense que les entraîneurs, là, parce que tout le monde arrive en forme, tout le monde veut bien faire, tout le monde écoute les consignes. Quand on arrive au mois de novembre, là, les choses, il y a des gars qui sont pas contents de leur temps de glace. Il y a des gars qui aimeraient ça avoir l'avantage numérique. Il y en a qui aimeraient ça jouer avec tel joueur. Alors là, on arrive dans une culture d'équipe mensuelle. On parle avec les coachs, là ce mois-ci, on va parler plus le team first. Fait que ça m'est arrivé l'autre année d'avant. On a eu des petits accrochages avec certains joueurs qui regardaient plus au niveau individuel. On a mis le mot team first partout dans la salle vidéo. On l'a mis sur des t-shirts. Alors pendant un mois de temps, je n'ai pas lâché mes joueurs. J'ai dit team first, team first, team first. Sans dire. Il y a des gars qui sont égoïstes, il y a des gars qui veulent un peu de temps de glace, mais on a rappelé le mot régulièrement pendant un mois, team first, team first. Puis à la fin de l'année, c'était 20-for-60, 20 joueurs pour 60 minutes. Alors à la fin de la saison, en s'en allant vers les playoffs, pendant un mois de temps, 20-for-60 avant chaque match. Alors des petits mots comme ça mensuellement pour l'identité de l'équipe, c'est vraiment important. Hebdomadaire, même chose. Il y a des fois que si on sent que notre équipe manque un niveau de compétition, on peut partir un lundi matin dans la salle, pendant la semaine d'entraînement. On dit à tous nos coachs, les boys, aujourd'hui, cette semaine, le mot compete, il faut qu'on le répète régulièrement. Il faut qu'on le mette en action dans nos entraînements, dans les matchs. Alors, c'est quelque chose qu'on peut répéter régulièrement. Au quotidien, même structure, si on a une pratique,
Et puis, on sent que notre équipe n'est pas vraiment sharp ou encore fois, il faut valoriser ce qu'on fait. Bon, ben, au quotidien, on peut, en équipe, évidemment, que ce soit avec le groupe leader ou avec les assistants coach, je pense qu'on peut forcer sur le quotidien aussi. Choisir les bons mots-clés. Comme j'ai dit tantôt, en 2016, j'avais brassé une couple d'idées, puis ce qui était vraiment important pour moi. Puis je voulais quelque chose qu'on garde à long terme. Alors j'avais mis, avec Ben Desrosiers, dans le temps, on avait mis plein de mots, de slogans. On avait peut-être une centaine, puis on jonglait avec ça, puis on a pris ce que moi je trouvais qui était important pour moi. Et puis après ça, on a jonglé un petit peu avec les mots, puis on est arrivé avec le AC/DC. Puis c'est un peu ça que je cherchais, c'est quelque chose qu'on pouvait mettre, qu'on garderait, mais qui avait une identité dans notre équipe. Et puis, c'est vraiment drôle parce qu'aujourd'hui, vous demandez à tous les joueurs de notre équipe, c'est AC/DC, ils vont vous le dire facilement, on le met sur nos t-shirts, on le met sur nos casquettes. Il y a plein de monde qui nous demande, c'est quoi AC/DC? Mais pour nous autres, c'est révélateur de notre identité d'équipe. L'attitude, le commitment, la discipline, le caractère. C'est des choses qu'on garde depuis le jour 1 et puis 2016. Et puis à chaque année, les joueurs le savent. Et puis que ce soit les recrues qui arrivent dans notre équipe ou des joueurs qui arrivent dans notre équipe, ils savent, les vétérans peuvent déjà leur dire comment à Sherbrooke, notre identité d'équipe, on fonctionne avec l'attitude, le commitment, la discipline et le caractère. Je vais vous parler un petit peu de leadership. En fait, dans notre équipe, je pense que c'est vraiment important de choisir les bons leaders dans notre équipe. Puis, quand on regarde un petit peu ce qu'on veut comme leader, je pense qu'il faut prendre un petit scan de notre équipe, voir comment que... qu'est-ce qu'on a comme leader. Le rôle des entraîneurs aussi, vraiment important dans notre leadership. La nouvelle génération, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, quand ça va bien, c'est des bons leaders. Mais quand ça va moins bien, on tombe dans un mode individuel. Puis c'est le rôle de l'entraîneur, je pense que c'est des capitaines aussi, les entraîneurs aujourd'hui. Alors c'est vraiment important qu'ils jouent un rôle là-dedans. Puis comment choisir nos leaders, encore une fois, très important. Quel genre de joueur qu'on cherche que ce soit les scouts, surtout au niveau junior, mais quand vous faites vos équipes aussi au niveau hockey mineur, quand je vais voir des matchs déjà 3 ou scolaires, puis que mes recruteurs me donnent une liste de joueurs qu'on pense repêcher, la première affaire que je regarde, c'est l'attitude des jeunes. Ça, c'est vraiment important pour moi. Le comportement, le body language. Quand je regarde les jeunes à chaque, quand ils reviennent au banc, ils claquent-tu à la porte, ils shake-tu de la tête, quelqu'un fait une erreur, lève-tu les bras. Pour moi, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Puis après ça, je fais un retour avec mes recruteurs. Je dis, on prend-tu plus d'informations? On va-tu voir s'il y a un problème d'attitude, son comportement, comment qui est? Ça, c'est vraiment important. Si vous rentrez des joueurs qui ont une mauvaise attitude, un mauvais comportement, vous avez le choix avant de le prendre ou non, je pense que ça évite beaucoup de problèmes. Et puis, ça, c'est un travail d'organisation, c'est un travail de communication qui est vraiment important. Alors, il faut prendre le temps de choisir nos bons joueurs et puis voir ce que vraiment une identité d'équipe à reflète. Parce qu'un joueur à trouble, c'est très difficile à gérer. Pendant une année de temps, c'est pas vraiment quelque chose qu'on veut. C'est une bonne personne. Je pense qu'au niveau junior, on fait nos devoirs de ce côté-là. On appelle plus de monde que moins. Je pense que ça peut se faire dans tous les niveaux. On veut des bons gars à l'école. C'est vraiment important. Puis, c'est quoi la progression d'un jeune durant sa saison? Quand vous voulez avoir un nouveau joueur dans votre équipe, vous faites votre sélection, est-ce que vous pouvez prendre des formations? Est-ce qu'il a progressé l'année d'avant? Alors ça donne une bonne indication de son leadership, de son caractère. Avant la saison commence, quand on prend un scan de notre équipe, on regarde c'est qui nos leaders. Ça, c'est vraiment important. Puis quand je parle de leader, là, c'est qui prend en charge. Là. Juste au visuel du début de saison,
c'est qui est en premier dans les lignes dans les entraînements, c'est qui est en avant de la première rangée si on fait du vidéo, c'est qui arrive le premier au lunch de midi, c'est qui se lève en premier, c'est qui parle fort. Ça, c'est on peut déjà trouver un petit peu c'est qui le leader du groupe. Ça ne veut pas dire que ça va être un leader dans votre équipe, mais on peut déjà identifier que lui, il emmène un peu plus large. Est-ce qu'il y a du monde qui se plaint dans l'équipe? Quand on prend nos informations, on va dire, il dit que c'est un plaignard parce qu'il va falloir l'encadrer différemment. Y a-t-il des suiveux dans l'équipe? Ça, des suiveux, un bon leader, ça en amène toujours un. Un mauvais leader, un suiveux, ça peut en amener deux, trois ensemble. Ça se colle rapidement ensemble. Alors ça, c'est des choses qu'il faut voir. C'est des gars qu'on peut isoler ou qu'on peut plus encadrer avec des leaders pour que, justement, ils évitent de faire des petits groupes ensemble. C'est quoi notre force d'équipe? C'est quoi notre faiblesse d'équipe? Les problèmes d'équipe, est-ce qu'il y a passé l'année d'avant, il y a eu des joueurs qui ont eu des problèmes? Est-ce que il y a des problèmes avec les blondes, les pensions à l'école? C'est vraiment important de figurer avant que la saison commence. Le statut du leadership, est-ce que l'année d'avant, il y a des gars qui en prenaient très large? Est-ce qu'on veut changer un petit peu la dynamique en changeant notre groupe de leaders? Comment choisir nos leaders? Alors, ce que j'ai fait depuis les dernières années, j'ai souvent dans les équipes où quand je jouais professionnel, on donnait le capitaine, les assistants, souvent des vétérans, souvent des joueurs qui étaient plus talentueux, on voit souvent ça aussi au hockey mineur. J'étais allé vraiment, j'ai décortiqué des choses qui étaient importantes dans le leadership. Alors, un joueur reconnu. Alors, c'est qui ce joueur-là? Chez nous, c'était Poulin, ça. Fait que c'est un joueur que quand il parle, il est respecté, le monde l'écoute. C'est pas un gars qui parle tout le temps. C'est un gars qui, quand il va ouvrir la bouche pour dire quelque chose, les gars vont le respecter, que ce soit dans le gym, dans les entraînements, dans les matchs, la façon qu'il se prépare, la façon qu'il se nourrit, la façon qu'il agit sur la glace. Alors ça, c'était important pour moi. Le modèle, alors quelqu'un qui est, encore une fois, hors glace, irréprochable, ça ne veut pas dire que c'est ton meilleur joueur d'équipe, mais ça veut dire que c'est un joueur que les joueurs s'associent à lui, puis qui peut être un Félix Robert qui était chez nous cette année, un gars qui était invité au camp d'entraînement, mais qui à chaque jour, il démontrait vraiment un niveau de compétition très élevé. Alors, on peut prendre Félix comme modèle. L'éthique de travail. Alors ça, c'est des joueurs, tu sais, ça peut être un Poulin, encore une fois, tu sais, c'est un gars qui était vraiment sur la coche, les entraînements, dans le gym. Alors ça, c'est un autre point qu'on est allé chercher dans des joueurs. Un joueur engagé, le rassembleur, le horse dans le gym, le gars qui est tout le temps dans le gym, le gars de pratique, alors le gars qui compétitionne toujours dans les entraînements. Alors là, j'ai 7 points, alors j'ai pris ces 7 points-là, puis je les ai associés à un joueur. Puis ça, c'était mon groupe de leader. À chaque année, je fais la même chose. Alors, par exemple, dans une pratique, je veux que l'entraînement soit vraiment sharp. Bon, ben je vais prendre mon gars qui est bon dans les entraînements, je vais le rencontrer, je dis là, aujourd'hui, je veux que tu pousses la machine parce qu'il faut augmenter notre niveau de compétition dans les entraînements. Le rassembleur, bon ben, c'est le gars qui veut faire des petites soirées à sa pension, qui a écouté le Super Bowl. Ça, c'est le genre de gars que je vais voir quand les choses, des fois, vont moins bien, puis on veut que les gars se rassemblent ensemble. Bon, ben, ce gars-là, il est vraiment important dans mon équipe. Les gars engagés, c'est souvent des joueurs qui sont respectés de ses coéquipiers et puis ils suivent vraiment la structure d'équipe, notre identité d'équipe. Alors, ça, c'est des gars que je rencontre régulièrement, que je sens que mon équipe, côté discipline, elle s'égare un petit peu. Puis, mes leaders, je les rencontre très, très régulièrement. Cette année, un petit peu moins parce qu'on avait déjà 20 joueurs sur 24 qui revenaient en début de saison. Puis j'ai vraiment senti que la roue, elle roulait facilement. Là. Mais dans les autres années, au moins trois fois par semaine,
avant les matchs, avant les entraînements, mon groupe leader, je lui parle régulièrement. Puis ça, c'est vraiment important parce qu'il faut que les jeunes aujourd'hui doivent se sentir valorisés dans leur comportement. Et puis, je pense qu'en tant qu'entraîneur-chef, il faut vraiment que notre groupe leader il soit derrière les entraîneurs. Sinon, ça ne dure pas longtemps. Alors, régulièrement, que ce soit avant les entraînements, avant les matchs, je prends vraiment le temps de parler à mes leaders, puis essayer de monter mon niveau d'intensité dans les entraînements, dans les matchs, être informé de ce qui se passe dans l'équipe, voir avec mon groupe leader s'il y a des gars qui dérangent, est-ce qu'on est capable d'amener ça à un autre niveau. Puis, une petite histoire, là, en 2018, on est allé chercher un joueur qui, je vais lui nommer son nom, Mathieu Olivier. Et puis Mathieu, on a pris des informations, moi et Jocelyn, puis on regardait pour l'amener à Sherbrooke, puis, parce qu'on savait que c'était un gars très, très, très intense, et puis démontrait beaucoup de caractère sur la glace. On avait besoin d'un petit torque dans notre équipe. Et puis, quand on est allé le chercher, j'ai pris des informations sur lui. Puis, le monde me disait, écoute, c'est un cheval, mais faut que tu le ramènes souvent. Puis, mais nous, on savait exactement ce qu'on faisait. On avait besoin de shaker un petit peu notre identité d'équipe. Et puis, notre groupe de leaders. Et puis, quand Mathieu est arrivé chez nous, mes vétérans sont venus me voir. Puis, ils m'ont dit... Steph, là, ça marche pas pantoute. Mathieu, là, il prend de la place. Puis, je leur avais dit, ben, ah, ouais, ok, parfait, il prend de la place. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il parle beaucoup. Puis, tu sais, entre les périodes, il est intense. Puis, parfait, je vais y parler. Mais, moi, j'ai jamais parlé à Mathieu parce que c'est exactement ce que je voulais. C'est que mes leaders, ils montent à un autre niveau. Et puis, Mathieu Olivier, il nous a fait faire un step. De 2 ans dans notre culture d'équipe, dans notre leadership. C'est un gars qui, la première chose qu'il me dit, il dit moi je veux jouer professionnel. J'ai jamais vu un gars mettre autant de temps dans le gym, autant de temps sur la glace. Je pense qu'il démontrait beaucoup de volonté. Puis quand on est arrivé au fight, mes leaders qui étaient dans mon groupe, ils ont steppé parce qu'ils voulaient être meilleurs que Mathieu. Et puis c'est des joueurs de même des fois, hein, qu'on est capable de faire un grand bout de chemin avec ton groupe de leadership. Alors Mathieu a été vraiment une personne exceptionnelle pour nous autres. Et puis, il a eu beaucoup de succès dans la Ligue américaine. Il a même joué des matchs cette année dans la Ligue nationale. Alors, ça fait un petit peu le tour. Je fais beaucoup de lectures pendant l'été. Puis, il y a un livre qui est, pour moi, qui est vraiment, que j'ai lu à peu près une dizaine de fois. Ça s'appelle The Culture Code. C'est fascinant, c'est des tests qu'ils ont fait sur des entreprises, des équipes de sport, l'armée, pour voir la culture, comment ils pouvaient l'améliorer en faisant des changements. Alors, dans les entreprises, ils ont augmenté le salaire d'un certain groupe. L'autre groupe, ils n'ont pas monté le salaire, mais ils ont fait ça différemment avec des groupes sociaux, avec des activités, avec une garderie. Et puis, ils ont fait des expériences. C'est vraiment intéressant. Ils ont fait des expériences avec des clubs de volleyball, des clubs de soccer, l'armée. Vraiment, vraiment intéressant. Alors, si vous voulez avoir une bonne lecture pendant l'été ou pendant le confinement de Culture Code, c'est vraiment un bon livre pour votre culture d'équipe. Je vous laisse mon nom, mon courriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis, je vous souhaite une bonne été. Si vous voulez, n'importe quand, vous pouvez m'appeler. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions ou m'envoyer un courriel. Et puis, je vous souhaite une belle été. Puis, en espérant un début de saison pour l'année prochaine. Merci.